Je crois que ça a crashé. Le jeu, il a crashé. Oh putain. Oh putain, je crache. J'espère que ça va planter cette fois aussi. Pas planté cette fois.
C'est toi le Medjay de Siwa? Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek! On te trouvera! On te trouvera! Dans ton sommeil! Dans mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous! Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là! Tu as tué mon maître et tu m'as laissé pour mort. Tu as eu tort. Ton maître était un meurtrier. Tu vas mourir dans ce... J'ai juré de le protéger. C'est une question d'honneur. Je suis le Medjay de Siwa. Ça fait de toi un ennemi digne de moi. Tu es rapide, Medjay. Mais moi, je suis puissant. Cet endroit servira de tombe à l'un de deux. Ce sera toi. Faisons une trêve. Ce n'est pas toi que j'ai juré de tuer. Mon honneur est en jeu. C'est un combat à mort. Tant pis. Anubis t'attend. Aucune issue. Aucune prise. Je dois trouver un chemin vers une autre salle. Les scarabées viennent sûrement de quelque part. Oui, c'est vrai. J'arrive.
Ah oui, c'est vrai, puis... a dû être construit il y a plusieurs siècles. On le détruit. Là on revient. Ok, on va revenir. Alors on va monter par là, je pense. Ah, là-haut, de la lumière. Allez, je ne sais même plus trop tôt. Des soldats. Bien entendu. C'était quoi? Sur lui! À mort! Ebzefa! Merde! Attention! Bayek! Okay. Est-ce que c'est toi? C'est une embuscade! J'avais deviné! Voilà le Medjay! Tu devrais déjà être mort! Cette fois... Tu mourras, on va s'en assurer. Attention, combo.
Ah, de rien. Je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Tu préparais une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Ah. Aidez-moi. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Ou pire encore. J'ai tué l'un des porteurs de masques. Le héron. Il en reste quatre. Bien. Le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au soleil. Bon ça. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Où est ta monture? Ah, te voilà, toi. Allons-y, Zeni. Ah. Comment vont les choses? Ah, j'ai mon chocobo encore, putain. Mon petit chocobo. La vie est très difficile, Bayek. En ton absence, les villageois se tournent vers moi pour assurer l'ordre. Mais les soldats ont installé une garnison et ils contrôlent tout. Une garnison à Siwa? Ptolémée veut mettre toute la région sous sa botte. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois, mais j'aurai besoin d'aide. Je ferai mon possible. Mais souviens-toi, je suis revenu ici pour rendre ma justice. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Zeni. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les soldats de la garnison sont violents. S'ils ont l'impression qu'un habitant leur ment, ils mettent le feu au hameau. Ou bien pire. Bienvenue chez toi, Bayek. Siwa t'accueille à bras ouverts. Toujours aussi bon. Aussi lent qu'une tortue. Oh, ça va, hein. Faut tuer un de deux, hein. Tout ce que vous possédez, vos fermes, vos biens, vos enfants. Ces villageois ont vécu un martyr. Personne dans la Wahat ne peut faire un geste sans être interrogé, menacé, taxé ou battu. Nous avons appris à obéir et à baisser la tête. N'attirons pas l'attention. Est-ce que tu comptes aller dans ta maison? Rien ne m'attend là-bas. Parle-moi de l'Ibis. Medunamun. Il est ici? C'est un vrai fléau pour l'Oasis. Comme tu peux le voir, les soldats sont devenus bien plus violents depuis son arrivée. Avant, ils buvaient et ils se bagarraient avec nous. Depuis que Medunamun est là, ils sont plus disciplinés et plus féroces. Me donne une raison de plus pour le voyez tuer. Ce qui arrive à ceux qui ne le sous-estime pas. Il a beau être sec et maigre, il reste très puissant. Ah, nous y voilà. Laisse ta monture, elle ne s'éloignera pas. Vas-y, entre. Un beau chocobo. Ah, cinématique. Repose-toi, mon ami. On a vécu une journée difficile. Ça, je n'en ai aucune envie. Je dois me préparer à l'affronter. Hepzefa ! Hepzefa ! Les soldats ont encore ! Bayek ! Rabia ! Ah ! Ma Rabia ! J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien, hein ? Tu as de quoi t'inquiéter. Regarde-toi. Des bleus. Des coupures. Je vais bien. Assieds-toi.
Allez. Allez. Je vais m'occuper de ça. Ah, tu n'as pas changé. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné? Vous mentiez à vos parents. Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. Par le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je... Oh, je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamun. Et puisqu'on en parle... Un nouvel arc. Vois s'il te convient. Vaut mieux que tu cherches à l'atteindre à la tête. L'un des mannequins est plus solide que l'autre. Calme-toi, les gosses. Ebzefa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Des soldats viennent te chercher ! Allez ! Viens, vite ! Personne ne doit quitter cette maison vivant. Ebzefa ! Nous venons seulement discuter ! Le nomarque a été tué ! Ton ami, le Medjay, est sans doute coupable. Sors de là, si tu veux tenter de le disculper. Tendez une embuscade. Nek ! Ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Je vais être exécuté. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Attention ! Quoi ? Qui est là ? Baisse-toi. Il s'approche un peu trop. Ah, il vient. Quoi ? Maintenant, autour des autres. On est deux. S'il y a du danger, on le verra. Je ne le vois pas. Filer derrière eux. Il va avoir droit à une surprise. La gloire de Ré. On ne peut pas les laisser aussi brûler ma maison. J'ai entendu quelque chose. Personne ne nous aura, crois-moi. C'était le dernier. Merci, Bayek. Je t'avais dit que c'est Nek et Diadette se moquent de tout. Ils se croient tout permis. Ouais, c'est triste. Viens, monte avec moi. Je vais t'expliquer tous les devoirs du Medjay à Siwa. Tous les problèmes de Siwa sont là. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est l'homme que tu veux tuer, Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient.
On a vite appris la vérité, en fait. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. Je vais le trouver et je vais le tuer. Medunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sac d'os. Au moins une meilleure armure. Ah, je peux m'en occuper. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. J'irai voir le forgeron. Oui, Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et Senu pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. Senu. Senu est en vie. Regarde qui voilà. Senu, ma grande. Tu es superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier. Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. C'est bon. Ça fera parfaitement l'affaire. Une cuirasse bien robuste. Elle te sera utile. Alors. Ah mais j'ai pas envie de le tuer dès maintenant là. Donc, bah, si tu veux te rendre utile, tu trouveras des missions sur ma table. Attends, on va voir. Ah oui, carrément, tu sens les mains, quoi. Mec, il arrive à... pas à l'aise. Bayek. Trop fort. Bayek, si tu as le temps, j'ai besoin d'aide avec les requêtes qui sont sur ma table. Ouais, mais j'ai pas trop le temps, tu sais. Alors. C'est vrai qu'il y a une histoire de... faut bien monter de niveau parce que... Tac. Après, on peut aller le tuer direct, mais bon. Je sais pas s'il va... va pas être trop juste. Niveau 35 quoi. Que j'ai le plaisir de dé... mon
terminé. Allez. Là, il y a ennemi, ok. Des trucs ici. Viens à toi. Aïe. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne sais rien. Quoi? C'est ça, crève. Trop fort. Ah mais ça c'est le temple d'Amon. Je crois qu'il faut que j'aille en haut. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne sais rien. Il y a un truc à couper là. Parcours. Pitié, laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi. Pardon? Je passe devant toi et... Et que je passe devant lui et... Après qu'on vienne pas me dire que la IA de Assassin's Creed, que ça sera origine, voilà ce... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne sais rien. On me dise pas que c'est... Tiens bon, j'arrive. C'est quoi? Fais-moi sortir de là. Attends. Où est-ce que tu vas? Ah, ça a pas voulu se faire. Bayek, c'est toi? Fais-moi sortir de là. Ils ont enlevé quatre autres. Bref, j'espère qu'ils sont encore. Qui a envoyé ça? Cache-toi ici. Quitte le temple dès que tu seras certain qu'il n'y a personne. Ok. Il y a un truc en dessous, ok. Attire pas de mon côté. D'accord. Attends un moment. Ouais, t'inquiète. Alerte, par ici. Protège mes arrières. Tiens bon, je vais venir. Hey, l'arme en main. D'accord. Je te protège. L'arme en main. Tu ne crains rien, filet. Quoi? Et toi, tu vas crever! Quoi?
Non. Oh. Allez. Oh. Ah, ça pardonne pas un mode difficile. Hein. Ah, je suis allé trop. Hein. Trop, il y a la mode fifou. Pas souvenir de que ce soit aussi rapide que le truc. Ok, d'accord. Hop, on va mettre ça. À la multinoi et tout. Après, on a des bons trucs, hein, des bons items. Hein. Quelqu'un? Soyez tous maudits. Je les interroge. Tout va bien? Je vais plaire des boss. Et je te marche. Reste caché jusqu'à ce que tu puisses quitter le temple. Oh, merde. Mais que... Moi, j'ai envie d'ouvrir quelqu'un en deux. Prêt à tuer tout ce qui se montrera. Alerte ! Par ici ! Ils s'ennuient, on dirait.
quelque chose ici. Tout près. À deux, on ne se fera pas. Hey! J'ai trop peur pour bouger. Ne cours aucun danger. T'aurais pas dû venir ici. C'est trop. Non. Je pense qu'il faudrait que j'augmente un poil de niveau. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais ici? Hey! Un coffre. Ah, si. C'est le temple d'Amon. Bayek, c'est vraiment toi? Les dieux ne vous le pardonneront pas! Reste calme, je vais te sortir de là. Les dieux ne vous le pardonneront pas! Ah, il y a les deux. C'est un lieu sacré. C'est le temple d'Amon. Bayek, c'est vraiment toi? Les dieux soient loués. Nous devons arrêter cette folie. Cache-toi là, en attendant de pouvoir partir. Ah, c'est bon. Ils sont tous là. Mais arrête! Me laisse pas ça! Je veux qu'ils soient tous interrogés. Bien sûr, Seigneur. Ils ne sont pas fous. Je vais t'écraser comme la vermine que tu es. Je vais t'étriper, ça. Ah, la courte à terre. Ah.
On fait la première cible. Justice, je meurs, mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. Des vertueux, La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant, la vie d'un enfant. Papa. Pas loin. Allez, encore une fois. D'accord. Hey. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. Bien sûr. Bon. Lève. Tends. Prêt? Oui. Je vais. Oh, tu m'as fait rater. Kemu, par ici. J'ai trouvé la caverne des hyènes. La caverne, oui. Bah vas-y. Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 yens. Elles sont toutes noires et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Eh. Eh, eh. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va chasser? L'oracle a besoin d'une peau de bouquetin mâle pour la cérémonie. Tu te tiendras à côté du pharaon? Pas vrai, Bayek? T'es le Medjay! Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du pharaon. Tu seras jamais Medjay. T'as bien trop peur! C'est pas vrai! Et la grotte aux hyènes, alors? Tais-toi! Ça suffit, vous deux! Le sable me brûle les pieds! Peut-être qu'ils vont prendre feu. Ça te fera aller plus vite. J'aimerais bien que mes pieds y prennent feu. Il est devant nous. Je peux venir? Non, ta mère pas. Très bien, on se voit à la cérémonie, Kemu. Au revoir, Shenzira. Le troupeau n'est pas loin. On n'est pas après n'importe quel mâle. C'est le chef qu'il nous faut. Comment on le reconnaît? Le grand, aux grandes cornes. Maintenant tais-toi. Fais comme moi. Ah, c'est mon moment préféré. Laisse-toi. Oui, papo. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Oh, oh non, je leur ai fait peur. C'est pas grave. On ne fera plus d'eux. Voilà le troupeau. Paranubis, est-ce que c'est lui? Il est énorme. Oui, c'est lui, mon fils. On va voir ce que tu sais faire. Tu vois? Mes yeux et ma main sont alignés sur la flèche. C'est la seule. Papo, il est en train de s'enfuir. Patience, mon fils. On va la voir. Oh, oh non, je leur ai fait peur. C'est pas grave. Ça nous fera plus de temps ensemble. À profiter de ces moments. Reste avec moi. On pourra le faire. Tous les deux. Sont alignés sur la flèche. C'est la seule manière de viser juste. J'aimerais pouvoir tirer. Touché. Ça lui a fait mal. Un tir en plein cœur ne fait presque pas. Allons chercher cette.
Nous apporterons ça à l'oracle avant la tombée de nuit. Un jour, je vais tirer une flèche à travers le soleil. Tu peux. À condition que ta flèche soit comme Senu. T'as raison. Si mes flèches étaient comme Senu, je pourrais chasser tout ce que je veux. Tu as dit que tu aimerais voir le pharaon de près. Oui. Et si tu venais avec moi à ses côtés? J'ai le droit? En tant que fils de Medjay et futur Medjay. Papo, c'est quoi un Medjay en vrai? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon. Mais ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Égypte. Pas seulement le protéger, mais œuvrer pour leur bien-être. Attends, passons par là. Oh, Papo, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay? Tu le deviendras. Tu es mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux, mais parfois c'est dur. Tu sais, quand j'avais ton âge, parfois moi aussi j'avais peur. Ton grand-père était un Medjay de renom. Quel mot il disait, ton père, déjà? Saute. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa. Allez, crois-moi. Tu peux. Je sais. J'y vais. Alors saute. Bon, reviens. Tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, papo. Je peux. Ah! Tais-toi, pauvre petite vermine. À l'aide, aide-moi. C'est Shenzira. T'es dit de te taire. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shenzira. Je m'en occupe. Medjay Bayek. Va, allez. J'ai peur, papo. Je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemu, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. Va. Medjay Bayek! Je suis bien le Medjay ici. Qui veut me parler? Range ton arme et suis-moi. T'as dit que tu voulais juste lui parler! Ah! Tiens. Qui es-tu pour me donner des ordres? On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable. Je suis à portée. Je suis. Au moindre bruit, tu es mort. Qu'est-ce qui vous a retardé? On a été discret, Seigneur. On est resté dans l'ombre. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous, Medjay. Il est d'une importance cruciale que nous accédions à la crypte. Les prêtres du temple s'entêtent à refuser de nous aider. Bayek! Tu y répugnes aussi, peut-être, par loyauté envers l'oracle. Il se trouve que nous avons ici quelqu'un qui devrait t'aider à changer d'avis.
Avance, Metrocoites. Commandant. Ah, encore toi. Viens. Veillez à ce que personne n'entre. Kemu, tu es blessé. Vas-y, essaie à ta manière. Laissez mon fils en dehors de ça. Ton fils a quelque chose à t'expliquer. Libis peut-il lui montrer l'orbe? Nous pensons qu'il faut ceci pour entrer dans la crypte. C'est une perte de temps. L'enfant est effrayé. Tout va bien. En tant que Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte. Ah, par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça. Le pharaon a été alerté. Il insiste. Nous allons être découverts, bête. Parle à ton fils. Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. Tout va bien, fils. Non? Papo, je peux te l'apporter. Non! Kemu, non! Ils vont nous faire du mal! Kemu, il faut... Kemu! Quelle perte de temps stupide! Non, Kemu, Kemu! Non, viens, viens, viens! Parle! Non, je ne sais rien! Nous devons partir! Je vais arracher le cœur de ce garçon! Non, attends! Il ne connaîtra jamais l'autre monde! Non, je vais parler! Il veut gagner du temps! Qu'est-ce que c'est? Arrête! La folie! Le serpent considère que c'est ta réponse! Kemu! Silence! Était capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne, Bayek de nulle part, misérable père de personne. Et là, tu meurs au nom de personne. Puisse le cachet t'accueillir. Le seigneur de la droite t'attend.
Bien joué, mon ami. Notre héros est de retour. Tu as ramené la joie, Siwa. Je dois partir pour Alexandrie. Il faut que je voie Aya. Alors, ne te précipite pas. Siwa a besoin de son Medjay. Ici, c'est toi le protecteur. Je suis toujours heureux de t'aider. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Nous boirons une bière à notre amitié, mon ami. Il y a de quoi faire. Alexandrie en plus s'éloigne. Ah c'est ça. Prépare-toi bien avant de partir. Tu vas rester. Bien. Tu comptes aller rendre visite à Kemu à la nécropole ? Bon, on est bien. C'est un bon épisode.